Amis de Saint-Jean-de-Mata, bonsoir. Je veux dire également bonjour aux compagnons de Louis Cyr. Je me trouve présentement à Lowell, Massachusetts. Si vous ne savez pas ce que je fais là, vous demanderez à votre invité d'honneur de ce soir, Gilles Proulx, de vous l'expliquer. Mais en attendant, je vous l'explique un peu. Alors, comme vous le savez probablement, Louis Cyr a séjourné ici à Lowell pendant plusieurs années avec sa famille pour venir travailler à la Suffolk, qui est l'industrie de textile qui se trouve juste derrière moi. Alors, on est avec une petite partie de l'équipe, puis on fait de la recherche ici pour venir un peu voir c'était quoi le petit Canada exactement à Lowell. Où est-ce que Louis Cyr travaillait? On fait un peu un genre de petit pèlerinage. Je voulais vous dire bonjour parce que malheureusement, je ne peux pas être là avec vous ce soir parce que je suis au théâtre à Montréal. Et puis, comme c'est un projet qui me tient à cœur, comme vous le savez, c'est moi qui vais interpréter le rôle de Louis Cyr. Donc, ça me tentait de vous dire un coucou puis de vous soutenir dans la levée de fonds que vous faites ce soir pour justement mettre sur pied le nouveau musée Louis Cyr. Je me rappelle, il y a 8 ans, quand j'ai auditionné le rôle, ça fait déjà assez longtemps, j'étais allé visiter le musée à Saint-Jean-de-Mata. Et bien que j'avais trouvé ça très convivial et super le fun de même s'essayer sur les haltères, j'avais trouvé que le musée était un peu petit pour la grandeur du personnage. Alors là, maintenant que vous avez décidé de réinstaller ça dans la dernière maison de Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata, maison que je connais bien parce que je suis installé à Saint-Zénon aussi, donc à chaque fois que je vais à Saint-Zénon, je fais un petit arrêt à Saint-Jean-de-Mata pour aller dire bonjour à la statue. Bien, puis quand j'ai vu les plans aussi de ce que vous vouliez faire avec la maison, donc de la remettre dans sa beauté d'origine, bien, je peux juste vous encourager dans cette entreprise-là. Puis je suis extrêmement fier de ce que vous allez accomplir avec ça. Et puis je veux juste vous dire aussi que je m'entraîne bien fort pour pouvoir donner à ce rôle-là toute la crédibilité qui lui est due. Et comme disait Paula, Louis Cyr commande un devoir de mémoire et c'est ce qu'on est en train de faire présentement avec le tournage du film Louis Cyr. Alors je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et puis longue vie au Cyr.